Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sur nos fameux cucurbitacées qui comprend toute la famille des concombres, des potirons, des butternuts, excellent la butternut, hein, et également des melons qu'on va faire encore une petite série de melons. Alors bien sûr, vous n'avez pas besoin de les faire trop tôt dans la saison parce que ça pousse extrêmement vite. Excepté peut-être le melon prendra un peu plus de temps, mais sinon tout ce qui est potiron, au bout d'un mois, maximum un mois et demi, ils sont prêts à être directement plantés en pleine terre. Donc ça pousse très rapidement. Bien sûr, on ne les met pas à l'extérieur avant le 15 mai, hein, donc on ne plante pas dans son jardin avant le 15 mai, avant les saintes glaces. Sinon, c'est gélive hein, comme plante et ça risque sinon de crever. Donc il faut éviter ça. Sinon c'est pas très compliqué du tout hein, pour faire ce type de culture. On va prendre comme d'habitude la bonne terre. On n'a pas besoin de prendre du terreau de semis. Hein. On va bien remplir notre pot. Vous prenez un gros pot par contre. Hein. Là j'ai un pot de 10, un minimum de 10, hein, voire 1 litre. Hein. Vous pouvez prendre des pots d'un litre, il n'y a pas de souci. Donc on va bien remplir son pot. Voilà. Tac. Ça suffit largement. On va un petit peu tasser, pas trop. Voilà, je vois bien, très bien. Ensuite, on va prendre nos. C'est la même façon pour tous. Hein. On va prendre les potirons, on va faire ça comme ça. C'est une vidéo qui sera très rapide hein, parce que vraiment, il n'y a pas besoin de. Ah, énormément d'explications. C'est vraiment extrêmement facile. Voilà, on a notre graine. La petite graine de potirons qui sont gros. Hein. C'est facile. Hein. On met dedans, on appuie, on met notre petite graine. Voilà, on appuie légèrement dedans. Voilà, on enfuit ça. On peut remettre un peu de terre et on tasse. Voilà, et voilà, et c'est fait. C'est vraiment très très facile. On n'oublie pas bien sûr de mettre nos petites étiquettes potiron pour savoir ce que c'est. Alors, allez, je fais encore un ou deux avec vous. Donc, je remplis mon pot de terre. Donc un bon terreau, hein. Un bon terreau, mais il n'y a pas besoin de terreau de semis pour ce genre de graines parce qu'elles sont très grosses, donc il n'y a pas besoin. On tasse un petit peu, on met la graine, voilà, on met la graine, hop, elle est retombée, on met la graine tout simplement comme ça, on ne va pas s'embêter. Et on reprend du terreau, on met un petit centimètre dessus, voilà, on enlève les grosses, voilà, hop, on appuie et c'est terminé. Oui, c'est très facile. Donc, on va les semer un mois et demi avant la pose, la plantation extérieure. Et c'est pas compliqué. Alors vous le mettez au chaud, hein, vous les mettez au chaud parce qu'il faut au minimum environ entre 18 et 20 degrés pour les melons pour que ça germe. Donc vous les laissez dans votre salon sous lumière horticole, hein, toujours sous lumière ou alors devant une baie vitrée, ça peut très bien fonctionner. Mais je préfère nettement une lumière horticole assez proche hein, des semis, hein, maximum 10 cm. Bien sûr, vous les mettrez en place, la lumière horticole, uniquement quand ils auront germé. Avant, ça ne sert à rien. Pensez toujours à les arroser. Là, je ne vais pas le faire, mais comme d'habitude, hein, on plante et on arrose derrière. Hein, voilà. Je vous mettrai en descriptif de nouveau les lumières si vous les procurer. Parce que là, vous n'aurez pas le choix de les chercher sur internet parce que j'ai déjà regardé en jardinerie, ça ils n'ont pas. Donc voilà, mais en tout cas, il faut une lumière minimum. Alors pareil, 12 à 14 heures par jour d'ensoleillement. Hein. Donc vous mettez ça à la lumière, au salon, au chaud, et puis vous les maintiendrez jusqu'au Sainte-Glace. Enfin, pour le nord de la Loire, hein, le nord-nord-est. Tout ce qui est façade sud et ouest, on peut aller un peu plus tôt, hein, mi-avril, pour mi-avril, fin avril. Pour le sud, vraiment le bord de mer, à l'Atlantique, voilà, ce sera pratiquement pareil, hein, peut-être une semaine, 2 semaines plus tard, tout fin avril, début mai. Et pour l'est et le nord de la France, eh ben là, on n'a pas le choix, nous, ce sera le 15 mai. C'est comme ça. Donc voilà, vous les mettrez au soleil, enfin au soleil, à la chaleur. Et bien sûr, s'il faudra les repiquer, ben, ma foi, il faudra le refaire peut-être. Sinon, vous les laissez dans un gros pot et on peut les laisser lors de la plantation. Hein. Voilà, c'était quand même une vidéo assez courte, hein, mais il n'y a pas besoin de vous expliquer beaucoup plus de choses parce que bah,
Il n'y a rien de compliqué là-dessus, hein. Vous faites pareil pour les butternuts, voilà pour tout. Franchement, c'est exactement pareil. Vous remplissez de terre, vous mettez votre graine, vous tassez et vous arrosez derrière. Vous mettez au chaud, à la lumière, dès qu'ils auront germé, à la lumière. Hein. Voilà, bah, écoutez, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve prochainement pour des nouvelles aventures. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao!